tardes, bienvenidos. Gracias por su paciencia. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en la que esperamos reflexionar mucho y tal vez reírnos un poco también. ¿Por qué y de qué nos reímos? ¿Nos hemos reído siempre de las mismas cosas? ¿Somos los únicos seres vivos que ríen? ¿Expresa la risa solamente una experiencia de alegría, de placer o también de dolor? Hoy, el muy reconocido antropólogo francés David Le Breton, autor, entre otros libros que seguramente ustedes conocerán, de El cuerpo y la modernidad, Antropología del cuerpo, nos va a compartir sus reflexiones acerca del complejo fenómeno físico, psíquico, social y cultural de reírnos. La forma en que la risa es una manera de socialización, pero también de resistencia, de censura, y se relaciona con el humor, la ironía, y posee una fuerza tanto represiva como liberadora. Le agradecemos profundamente a David Le Breton que haya aceptado esta invitación de la Cátedra Alfonso Reyes. Él es profesor de la Universidad de Estrasburgo, donde se sigue desarrollando, es miembro del Instituto Universitario de Francia e investigador del Laboratorio de Culturas y Sociedades en Europa. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Merci infiniment, Anna Laura, de ton invitation. Merci aussi à l'Université Technologique Audi Monterrey d'avoir favorisé ma venue. Merci infiniment à chacune et chacun de vous d'être venu m'écouter aujourd'hui. Je suis vraiment très très touché que vous soyez venus aussi nombreux, donc je vous remercie infiniment. Je ne vais pas vous raconter donc d'histoires drôles, je ne vais pas faire de plaisanteries. J'ai plutôt... j'ai oublié de remercier Selena qui fait la traduction et qui est enfermée quelque part dans une cabine. Je la remercie aussi de m'accompagner. Oui, je ne vais pas vous raconter donc d'histoires drôles, je ne vais pas faire de plaisanteries. Je vais plutôt essayer avec vous donc de comprendre les ambivalences du rire, les contradictions du rire. Anna Laura, d'ailleurs, vient déjà un peu de préparer le terrain. Je ne vais donc pas vous parler uniquement du rire sous l'angle de la joie, mais montrer que le rire peut être aussi une forme de violence, même si, bien entendu, le plus souvent, le rire est synonyme de joie, de plaisir d'être ensemble, etc. Pardonnez-moi de devoir lire mon texte. C'est beaucoup plus facile pour la traduction, d'autant plus que j'ai une écriture très, très, très fine. J'essaie toujours d'entrer un peu dans les détails. Donc je crois que quand j'improvise, je suis plus difficile à traduire que quand j'ai écrit un texte. Mais bon, ça donne... J'espère que ma présentation vous paraîtra quand même assez dynamique. Mais... Voilà. Et puis c'est la première fois d'ailleurs, la première fois que je fais une conférence sur le rire. Mon livre en France est sorti il y a 3 ou 4 mois, et c'est la première fois donc, que j'ai l'occasion d'en parler en public et en faisant une conférence. Voilà. Le rire donc ne manifeste pas nécessairement la joie, ni même le comique d'un mot ou d'une situation. La naïveté de certaines approches neurobiologiques est d'associer le rire au plaisir. Or, sa signification varie selon les circonstances et les lieux. Si le rire s'écrit au singulier, il s'entend toujours au pluriel. Il manifeste bien entendu la joie pure, la bonne humeur, mais aussi la détresse, le sentiment de supériorité, la haine, la honte, la timidité, le triomphe, la raillerie, la surprise, l'embarras, la politesse, la soumission, l'incrédulité, le dédain, la morgue, le défi, la volonté de sauver les apparences ou de mettre à distance une émotion, etc. etc. Certains rires sont liés au comique d'une histoire ou des circonstances, d'autres à la jubilation d'exister, de jouer, d'être ensemble,
parfois au chatouillement, par exemple avec les enfants, d'autres encore au soulagement d'avoir échappé d'un souffle au danger. La disparition d'une contrainte suffit parfois à le provoquer. Ainsi, par exemple, des enfants libérés d'une journée d'école et courant avec exubérance vers la liberté retrouvée, lancent-ils maintes rires à la cantonade. Le plus souvent, bien sûr, le rire est jubilation, saveur de l'instant, moment de partage avec les autres, échappée belle de la pensée. Les situations comiques sont délectables. L'hilarité volontiers recherchée, surtout lors d'occasions festives. Le rire alors traduit la vitalité, l'exubérance, quand la vie jaillit à plein corps, comme dans la fameuse séquence de Singing in the Rain, où Jane Kelly danse sous l'averse, le rire et le sourire aux lèvres. Le grand écrivain américain Henry Miller décrit une scène proche à Far Rockaway, aux États-Unis, quand pour la première fois, tout jeune, il éprouve une nécessité intérieure d'écrire qui le bouleverse complètement. La nuit tombe, les rues se vident, il se sent bouillonné d'énergie, d'électricité, et je cite un instant Henry Miller, il écrit « Quand la pluie se mit à tomber et que la face obstinément levée vers le ciel, je la reçus comme une gifle, je me pris brusquement à beugler de joie, à rire et rire et rire comme un fou, sans bien entendu savoir pourquoi. Je débordais seulement de joie, j'étais fou, fou de joie, à l'idée de me retrouver seul, absolument. » Fin de la citation. Le rire est parfois aussi un comportement de façade pour dissimuler une gêne ou une contrariété. Après, par exemple, la prise de connaissance d'un échec personnel. Il incarne aussi la résistance, un dernier sursaut de fierté quand tout est perdu. Une manière de ne jamais s'avouer vaincu. Ainsi, par exemple, de l'humour dans les camps de la mort de l'Allemagne nazie. On ne peut comprendre le rire en l'analysant seulement sous l'angle du risible. L'un des motifs les plus courants du rire tient à la sociabilité, au plaisir d'être ensemble, qui rend peu sensible à la valeur des plaisanteries échangées. Il est une matière première de la plupart des relations sociales, sans qu'aucune blague ne soit nécessairement énoncée. Plus une assemblée est détendue, joviale, plus les rires fusent et soudent le groupe dans une complicité heureuse. Le groupe potentialise les sentiments et il accentue le rire à l'infini par un effet de contagion et de ritualité de l'être ensemble. L'amitié ou les relations de voisinage amène à partager des moments conventionnels de rire sur la pluie ou le beau temps, les comportements incongrus des voisins, les scandales politiques, les vacances, etc., etc. Et ce rire, qui n'est pas du tout lié à l'humour, ce rire renforce l'entente des personnes en interaction. D'où l'impossibilité de plaisanter ou de partager un rire avec quelqu'un que l'on méprise ou que l'on conteste. Également, il est très malaisé de se contraindre à rire. On rit très mal sur commande. Ou alors le rire sonne un peu faux. On peut en reproduire le son, mais non pas le jaillissement. Cependant, on ne rit pas toujours pour les mêmes raisons, ni de la même manière, car malgré tout le rire est éminemment ritualisé. Il n'est pas une émanation de la nature ou de la biologie, mais de situations sociales particulières que les individus ont appris à associer au rire. Quand un individu rit, c'est toute la société qui s'exprime aussi à travers lui. Dans sa tonalité paisible,
Le rire est un adoucisseur de contact, comme le sourire par exemple. Il est le plus souvent créateur de liens, même entre des individus qui ne se connaissent pas, car il dissipe les obstacles. Souvent, dans la tradition théologique ou philosophique, par exemple, on distingue deux sortes de rires. Ceux qui traduisent la joie, et qui sont toujours valorisés, bien entendu, et les rires qui témoignent de duplicité, de moquerie, de cruauté. D'un côté, un rire d'acquiescement, d'ouverture au monde. D'autre part, un rire de dénigrement, un rire de violence. L'hébreu, par exemple, dispose de deux mots pour qualifier des tonalités différentes du rire. Tsahak, qui renvoie à un rire joyeux, propre au plaisir d'être ensemble, et qui donne d'ailleurs son nom à Isaac dans la Bible. Et lag, qui est l'autre mot, qui renvoie plutôt à la moquerie, à la dérision. On retrouve cette même distinction dans la langue grecque, qui désigne donc ces deux formes différentes du rire par deux mots distincts, gélan, qui est le rire du quotidien, le rire de la joie, le rire du plaisir d'être ensemble, et katagélan, qui renvoie au rire méchant, agressif. En revanche, le latin n'a qu'un seul mot, le mot risus, qui recueille ses nuances, qui recueille sans nuance toutes les ambiguïtés du rire, et dont nous sommes aujourd'hui les héritiers, en français, en espagnol, en italien, en portugais ou d'autres langues. Imprégné d'ambivalence, le rire mêle le rationnel et le dionysiaque. Il en appelle à la fois à la raison, par exemple pour la perception du comique d'une situation ou d'un mot d'esprit, mais simultanément, il donne la part belle au corps, à l'articulation du sens et de l'organique, ni réflexe, ni décision volontaire, le rire est surgissement du corps. Il interrompt la circulation de la parole, toujours marquée d'affectivité et d'une présence corporelle, bien entendu, mais sous une forme discrète et prévisible. Dans le rire, le corps soudain prend le dessus, et il le fait de manière spectaculaire, par l'ébranlement de la personne, soudain secoué de soubresauts, la respiration saccadée, les borborygmes, turbulence passagère qui libère un instant des exigences d'identité et des protocoles. Il incarne une brève échappée belle hors des routines du quotidien. Il éclate, certes il se réfrène quelquefois, mais il démantèle le corps achevé, fermé, délimité, lisse de la vie courante. Il fait voler en éclats les identités paisibles et confortables, reconnaissables. Il ouvre une fenêtre hors du monde propre, une échappée hors des contraintes, et il est très contagieux. Certes, il répond lui aussi à une ritualité, il est partagé, mais il assure un triomphe provisoire du corps et réduit la parole à des hoquets. Émanation d'un visage, souvent décrit par les ennemis du rire, et notamment nombre de théologiens du Moyen-Âge ou de la Renaissance, émanation d'un visage, souvent décrit par les ennemis du rire, comme tordu, défait, grimaçant, etc., etc. Le rire donc dissout le sérieux et la sacralité du visage. Le rire est simultanément une expression visuelle et orale. Il résonne dans les gestes, la posture, l'attitude. Il ébranle également le langage. Il s'empare, en fait, de la personne tout entière du rieur. De nombreuses métaphores insistent sur la dimension corporelle du rire et sur la dissolution provisoire de toute convenance. Je vais vous donner tout un tas d'expressions courantes dans la langue française,
qui paraissent très vulgaires d'une certaine manière, mais qui sont toujours associées à l'éruption du corps dans le rire, et dont je crois vous avez des équivalents évidemment en espagnol. Je vous donne quelques exemples. On pisse de rire, on rit à en pisser dans sa culotte, on est plié en deux, on se tape le cul par terre, on se bidonne, on hoquette, on se gondole, on se palme, on se boyote, on crève de rire, on se paye une bosse, on rit comme un dératé, comme un bossu, comme un tordu, comme un fou. On rit à en perdre le souffle, à ventre déboutonné. On étouffe de rire, on pouffe, on se tire-bouchonne, on se poile, on s'esclaffe, on se tord de rire, on est plié en deux ou en quatre, on se roule par terre, on se tient les côtes, on rit à gorge déployée, de toutes ses dents, à belles dents, ou à s'en décrocher la mâchoire, on rit aux larmes, on pleure de rire, on pouffe, on éclate de rire, on est secoué de rire, on a la rate qui se dilate, on pète ou on crève de rire. On se fend la gueule, on se fend la pipe, on se fend la tronche, on se fend la marboulette, on se fend la poire, on se fend la pêche, on rit gras, un propos est tordant, désopilant, ébouriffant, poilant, on se paye une tranche ou une pinte, et parfois, il y a plein d'autres expressions qui sont absolument du même ordre, et vous voyez comment donc la langue, comment la morale de la langue, la morale implicite de la langue, met le rire fondamentalement du côté du corps. D'où d'ailleurs son rejet pendant très très longtemps par les théologiens chrétiens qui pensaient que le rire était renvoyé au diabolique, à des valeurs qui n'étaient pas vraiment chrétiennes, à la différence par exemple du sourire, puisque le sourire c'est le visage, c'est l'élévation, c'est la proximité de Dieu, hein, c'est la spiritualisation du visage en quelque sorte, alors que le rire c'est le bas corporel, c'est le populaire, c'est le vulgaire. Et pour ces raisons, donc beaucoup de, sauf les franciscains, sauf François d'Assise, mais dans la tradition de l'Église, la plupart des autres pères de l'Église ont été extrêmement hostiles au rire, comme donc une manière inconvenante, une manière un peu de se moquer de Dieu d'une certaine manière, sauf chez les franciscains, qui considérait que le monde, ayant été une création de Dieu, il fallait au contraire s'en réjouir. François d'Assise demandait à ses disciples d'être toujours joyeux, d'être toujours heureux, et d'exprimer leur joie à leurs fidèles. Voilà. Et parfois, donc, l'évocation du rire renvoie carrément à l'animalité. Mais l'animalité plutôt dans un sens aussi très péjoratif. On parle par exemple à l'heure d'une saillie. On dira c'est une saillie, pour dire c'est une plaisanterie, mais saillie c'est un vocabulaire vétérinaire qui renvoie à la sexualité du cheval. On dira également en français par exemple ricaner. Ricaner. Là ricaner c'est vraiment le rire très désagréable. Et ricaner ça vient de l'ancien français réchaner, qui veut dire braire, un braire comme un âne. Vous voyez que c'est pas non plus. Alors, on glousse également de rire. Glousser, c'est plutôt les coques. On rit comme une baleine. Ça encore, c'est sympathique.
On rit comme une baleine, on rit comme une hyène, c'est déjà un peu plus méchant, etc., etc. Et si vous prenez le sourire, vous n'avez que des métaphores de l'élévation, de la spiritualité, de la beauté, etc. Le rire, c'est plutôt du côté du corps et d'un corps un peu dénigré. Donc le rire est composé d'éclats multiples qui ricochent les uns sur les autres dans un mouvement rieur sans fin. Il est composé de couches de sens innombrables et ambivalentes. Il n'a aucune formule de fabrication, mais une myriade de matrices. Je vais vous citer l'un des grands comiques de l'histoire du cinéma, Groucho Marx, qui écrit, je cite, quand on lui demande « comment faites-vous rire les gens à ce point-là », il dit « je suis prudent de nature, et je n'ai ni le désir, ni le pouvoir d'analyser ce qui fait qu'un homme peut en faire rire un autre. J'ai lu des tas de livres, écrits par des spécialistes reconnus, qui démontrent les mécanismes de l'humour et qui essaient d'expliquer ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Mais je doute qu'un seul comédien sache vraiment ce qui déclenche le rire et pas son voisin de palier. » Fin de citation. On connaît le mot de Pierre Dac, un très grand humoriste français, on connaît le mot de Pierre Dac qui s'applique à toute tentative de définition du rire, je vous l'ai dit doucement, « ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux ». C'est Pierre Dac dans toute sa splendeur, cette merveilleuse formule. Je me souviens d'une autre formule de Raymond Devos, qui est l'un des très très grands humoristes français, merveilleux jongleur avec la langue française. Et donc vous savez que l'un des grands livres de l'histoire de la philosophie sur le rire, c'est le livre de Bergson, qui par ailleurs est un très très beau livre, un très grand livre. Bergson, par contre, ne s'intéresse qu'à l'humour. Et donc, un jour, un journaliste demande à Raymond Devos « expliquez-nous pourquoi vous nous faites rire à ce point-là ». Et Raymond Devos a cette réponse absolument merveilleuse. Il dit « ah non, je n'y suis pour Bergson ». Là où on reconnaît un très très grand humoriste, effectivement. Une autre histoire à ce propos-là, un exégète offre son commentaire de la Bible à un ancien, un homme beaucoup plus âgé que lui. Il revient l'année suivante et lui demande si son livre l'a aidé à mieux comprendre le texte sacré. Mais l'ancien lui répond que le contraire est arrivé. C'est la Bible qui l'a aidé à comprendre son livre. En d'autres termes, l'explication du rire doit couler de source pour se dissoudre justement dans le rire, ce qui est une tâche absolument impossible. Et puis, il y a le fou rire. Dans l'écoulement de la vie quotidienne, nous sommes en permanence à la merci du rire, voire même du fou rire, qui se déclenche inopinément du fait de la crispation propre à certaines situations sociales empreintes de gravité. Il surgit là où il est essentiel de garder son sérieux, là où justement le rire est interdit. Il jaillit même dans un contexte douloureux, à cause de l'incongruité d'un propos ou d'un comportement, qui libère la tension accumulée. Impossible de se retenir, rire fou, car délié de toute civilité, de toute attente sociale, et nécessairement très impudent pour les témoins. Les ritualités les plus sérieuses sont percutées de plein fouet par cette échappée belle d'un malheureux qui n'arrive plus à se retenir. Le rire ici n'est pas toujours joyeux, bien au contraire. Son auteur cherche désespérément à le rompre, car il sait la situation compromettante et redoutable pour lui et pour les personnes qui croient que l'on se moque d'elles. Il n'ignore pas les représailles possibles qui l'attendent ou les blessures qu'il inflige. Il perd la maîtrise de sa représentation sociale et s'expose au jugement des autres. L'un des souvenirs les plus noirs de mon enfance
et la violente colère à mon égard d'un vieil enseignant à la redoutable réputation que la rage avait fait postillonner sur le tableau. Il était en train de perdre la face, j'étais saisi d'un inextinguible fou rire, comme souvent à cette époque, en même temps que d'un sentiment d'irrémédiable. La terreur était en moi, mais le déferlement du rire me submergeait, de la même façon évidemment que tous les autres élèves de la classe, ce qui était absolument terrifiant pour le professeur en question. J'avais 12 ans, j'étais vraiment tout petit. Voilà, ces rires ont scandé mon enfance, j'entends encore les voix courroucées qui me les reprochent, et je me souviens des heures et des heures de punition, debout devant des poêles brûlants pendant l'hiver, ou à tourner autour de récréation, avec une affiche épinglée dans le dos pour dire mon indignité, sans compter les innombrables coups de règle sur les doigts qui étaient très fréquents à l'époque, quand j'étais petit à l'école. Le fou rire donc est un incident redoutable dans la vie courante, car il expose à perdre la face et surtout à la faire perdre aux autres, sans pouvoir s'en justifier, même si le plus souvent, heureusement, le fou rire est perçu comme un désagrément provisoire, mais tout à fait pardonnable. Dans une lettre de janvier 1913, Kafka raconte un tel événement qui l'emporte à son corps défendant dans une situation vraiment pénible. Ce jour-là, avec deux collègues de bureau, ayant également obtenu un avancement, tous vêtus de leur habit de cérémonie, Kafka est face au président de l'institut où il travaille, un homme respecté et austère. Et l'un des promus, très sérieux, tient un discours de remerciement que le président écoute avec solennité. Kafka remarque soudain le ventre un peu proéminent du directeur. Cette soudaine irruption du corps dans la sacralité du moment le déconcentre complètement. Il sent avec horreur monter en lui un rire qu'il tente en vain de réprimer en simulant des éternuements. Quand le président relève la tête pour entamer le discours, d'usage, là je cite Kafka, il pouvait voir ma mimique et constater facilement que le rire qui s'échappait de mes lèvres, à mon grand regret, n'était nullement un accès de toux. Fin de citation. Mais le président ne se démonte pas. Au-dessus de la mêlée, il entame son propos, mine de rien. La situation empire à cause de l'attitude malencontreuse d'un collègue qui essaie de rappeler Kafka à l'ordre. Ce qui est la pire des choses face à quelqu'un qui est pris d'un fou rire. Alors, je cite à nouveau Kafka qui dit « Je fus hors d'état de me contenir et je vis fondre tous mes espoirs de parvenir jamais à me ressaisir. » Fin de la citation. Peu à peu, le fou rire gagne tout l'auditoire. Seul le président reste imperturbable. La cérémonie se poursuit malgré ces vagues de turbulences. Un autre collègue prend la parole à son tour et s'embrouille. Toutes les digues se rompent. Je cite encore Kafka. « J'éclatais d'un rire sonore, brutal, tout le monde se tue, et je fus enfin avec mon rire le centre reconnu de l'attention. » Avec cela, naturellement, tout en riant, j'avais les genoux tremblants de peur, et de leur côté, mes collègues pouvaient maintenant rire de tout leur soûl. » Fin de citation. Le président déconcerté s'efforce de faire bonne figure, je cite à nouveau Kafka, il trouva un rapport quelconque, une phrase quelconque pour donner à mes hurlements je ne sais quelle explication humaine, en rapport, je crois, à une plaisanterie qu'il avait faite il y a longtemps, après quoi il se hâta de nous congédier. Fin de citation. Voilà. Sortir la tête haute d'une telle situation, vous voyez, exige un véritable art sociologique. Le rire qui transparaît parfois lors de funérailles tient à cet engorgement de l'émotion face à la gravité du moment, soudain bouleversé par une incongruité. Les tensions accumulées
se relâche soudain dans un rire incoercible. Les cérémonies funéraires de nos sociétés sont les lieux les plus propices et les moins conseillés pour l'explosion de fous rires qui n'expriment en rien la joie. Colette, cette grande écrivaine française, Colette décrit avec douleur l'acheminement de son père vers le cimetière, le corps de son père vers le cimetière, et surtout l'effondrement de sa mère qui ne cesse de lui parler doucement sur tout le parcours à côté du cercueil. Puis, de retour dans la maison, alors que le silence et la douleur imprègnent la pièce, un petit chat entra, circonspect et naïf, un ordinaire et irrésistible chaton de 4 à 5 mois, un saut périlleux en avant que rien n'annonçait, le jeta séant par-dessus tête à nos pieds. Et elle riait, ma mère en deuil, elle riait de son rire aigu de petite fille et frappa dans ses mains devant le petit chat. Fin de la citation. Dans un contexte social lourd d'émotions, rien de tel qu'un pet ou un rot pour déclencher une vague d'hilarité incontrôlable. Certes, le fou rire est aussi contagieux, dans un groupe d'amis par exemple, dont les rires se relaient mutuellement lors de franches parties de rigolade. Mais le fou rire apparaît aussi dans des moments tragiques, comme libération brutale de tensions insoutenables. Un exemple, parmi beaucoup d'autres, le procès de Prague en 1952. Mais au banc des accusés, des membres du Parti communiste qui font de l'ombre à la présidence stalinienne en Tchécoslovaquie. Il s'agit également de donner des victimes émissaires à une population en souffrance, à bout de souffle. Ces hommes sont accusés de conspiration contre l'État, alors qu'ils sont totalement innocents. Dans l'un des moments les plus tragiques du procès, l'un d'entre eux, qui fait sa déposition, amaigri par les mauvais traitements et la prison, un homme qui s'appelle Sling, perd son pantalon. Je cite Arthur London, c'est dans le livre qui s'appelle « L'aveu », dont d'ailleurs Costa Gavras a fait un très beau film avec Yves Montand notamment. Et donc je cite Arthur London, « Le spectacle comique de notre camarade en caleçon déclenche parmi nous un rire homérique, hystérique. Notre ami Sling pouffe de rire tout le premier en relevant son pantalon. » Et il a bien du mal à poursuivre sa déposition. Fin de la citation de London. Les co-accusés sont emportés dans la tourmente. Je recite London. Le rire gagne l'assistance et les membres du tribunal, le procureur dissimule son visage derrière un journal largement ouvert. Les membres du tribunal plongent la tête dans leur dossier. Les gardiens glapissent en essayant de se retenir. Fin de la citation. Nul n'échappe plus à ce rire. Tous sont sous la pression stalinienne. Les membres du tribunal n'ignorent pas la mystification qu'ils doivent entériner en condamnant bientôt à mort 11 des prévenus, dont Sling, et les autres à la prison à vie. Et ces derniers, de toute façon, n'ignorent pas le sort qui les attend. Dans ce climat de tension extrême, le rire est comme une grimace ironique, mais il autorise une sorte de défoulement grotesque. Le rire paraît hors de tout contrôle. Il éclate soudain. Cependant, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est jamais un réflexe, mais toujours une réflexivité, inscrite donc dans un contexte social. Il peut se retenir pour ne pas blesser ou pour éviter d'attirer une attention fâcheuse sur soi. On peut arborer un rire complice, indulgent, en assistant à une scène drôlatique sur un trottoir pour afficher sa largeur d'esprit ou poursuivre son chemin sans se départir de son sérieux,
faute de partager la salle avec quelqu'un. On rit dans sa barbe, comme on dit en français, quand on rit tout seul, on rit dans sa barbe ou on rit sous cape, donc, en étant dissimulé sous la cape, sous son manteau, en s'efforçant de ne pas se faire remarquer, ou à l'inverse, on rit avec exubérance, avec ostentation, pour signifier un mépris ou un désaveu envers une personne ou une situation. On rit de mots d'esprit ou de plaisanteries entendus mille fois dans un groupe, par connivence, par politesse, pour ne pas incommoder, ou pour témoigner de son amitié avec le blagueur. Maints exemples seraient ici disponibles pour attester du contrôle réflexif exercé de manière plus ou moins aiguë par les individus en présence, selon le contexte de leur interaction. Le rire est toujours circonstancié, donc propre à une situation précise. Il est bref ou il est volubile, il est discret ou il est tonitruant, il est à gorge déployée ou il est à la limite du sourire. Il s'ajuste en fait à la situation selon l'impression que l'individu souhaite donner de lui-même en toute sincérité et sans forcément y penser, bien entendu. Ce qui fait rire un instant, par exemple la chute ridicule d'un passant qui marchait dans la rue avec une espèce de solennité un peu arrogante, provoque un rire qui s'arrête aussitôt si l'on découvre finalement que l'homme a l'air sérieusement blessé, ou encore qu'il s'agit d'un proche que l'on n'avait pas reconnu sur le moment. Une personne isolée qui s'esclave toute seule dans le bus ou le train est une figure insolite ou inquiétante. Elle n'est plus dans les ritualités corporelles communes. Et puis, il y a une autre figure du rire, c'est ce côté policier, ce côté de la discipline, en quelque sorte, que nous rappelle le rire. Le rire, comme instrument du mépris, est le fil rouge de sa dénonciation par les philosophes depuis Aristote. Cet usage qui vise à abîmer l'autre, à se moquer de lui, est souvent l'argument de ceux qui stigmatisent le rire dans son ensemble en le décrivant seulement sous cet angle. Dans la poétique, par exemple, Aristote associe la comédie à la laideur, au ridicule. Le rire est d'abord à ses yeux une réprobation envers ceux qui se conduisent de manière déplacée et donc ridicule. Ces remarques péjoratives, on les retrouve en filigrane sous la plume de maints auteurs, théologiens ou philosophes, opposés au rire à toute époque. Cette approche d'ailleurs est surtout théorisée par Hobbes, le philosophe anglais, qui inscrit le rire sous l'égide de la dégradation de l'autre. Pour Hobbes, le rire naît toujours d'un sentiment de supériorité du rieur. Ce qui est évidemment une vision également très limitée du rire. Le rire est infiniment multiple. Mais je continue sur cette police du rire. Un rire impitoyable et sans nuance existe dans l'affirmation d'une supériorité personnelle. Il alimente par exemple les innombrables situations de harcèlement dont sont victimes des élèves dans les collèges ou les lycées, des femmes dans les transports publics par exemple. On rit parfois alors avec les autres, mais on rit de quelqu'un. On va rire de celui qui sort en commun, qui sort du commun par son apparence, son attitude, sa différence. Et il va être épinglé comme un souffre-douleur sous une forme brutale ou atténuée. Mais le sarcasme, le rire, va poursuivre cette personne à cause de son handicap, à cause de sa sexualité, à cause de son attitude, etc. Ou du fait que l'élève, par exemple, est trop petit, ou il est trop grand, il est trop maigre, ou il est trop gros, etc.
le harcèlement, donc la figure centrale du harcèlement, c'est le rire. C'est se moquer de l'autre, mais se moquer de l'autre pour le piétiner, pour lui faire mal, pour le dénigrer. Et vous voyez comment là, le rire fonctionne comme une police d'une extrême brutalité. Donc, un certain nombre de gens donc, se retrouvent préposés au risible. On les ridiculise pour les ramener dans le droit chemin, entre guillemets. Car ils s'en écartent, par exemple pour des élèves, par leur goût des études, leur application, leur réussite, la forme de leur corps, leur nom, leur origine culturelle, leur religion, leur infirmité, leur orientation sexuelle, ou parce qu'ils ont un frère trisomique, ou parce que leur père est réputé buveur, etc., etc. La crainte de devenir la risée des autres est une solide prévention sociale, un repoussoir à toute originalité. La police du rire est un exorcisme de la différence perçue comme intolérable. Elle rappelle à l'autre qu'il ne doit pas pousser trop loin sa singularité sous peine d'incommoder. Ne pas attirer l'attention sur soi est la meilleure garantie de ne pas se transformer en victime sacrificielle. Le rire exprimé là marque le triomphe de ceux qui sont bien sous tout rapport et qui témoignent de leur morgue envers ceux qu'ils jugent indignes. Ils formulent un jugement de valeur sur un mode plaisant ou agressif en prenant des gants qui dissimulent parfois une main de fer pour dire un mépris ou pour attaquer un groupe ou une personne. Dans cette déclinaison, le rire est socialement conservateur, assujettissant l'individu à la pression du groupe, raillant par avance quiconque cherche à s'en écarter, selon bien entendu une définition propre au railleur, érigé en redresseur de tort et en directeur de conscience. Mais ce rire entame évidemment le sentiment d'identité de celui qui est moqué, car il provoque l'humiliation, l'atteinte à l'estime de soi et la mise à l'écart. À l'instant d'ailleurs me revient beaucoup de scènes que décrit le philosophe suisse Alexandre Jolien, qui doit être, je pense, traduit en espagnol. Alexandre Jolien est un garçon merveilleux, un formidable philosophe, mais son corps est complètement difforme à cause d'un accident au moment de sa naissance. Donc il marche de façon complètement étrange. Et Alexandre Jolien, dans l'un de ses livres, raconte qu'il sort dans un grand théâtre de Lausanne ou de Genève, je ne sais plus, où il a eu un débat, je crois que c'était avec Albert Jacquard, donc avec des grands noms également des grands noms politiques ou intellectuels. Il est sur un nuage, il est heureux, il monte dans un bus et il y a devant lui 3 ou 4 adolescents qui éclatent de rire en le voyant et qui vont se moquer de lui. Et Alexandre Jolien essaie désespérément de leur dire que c'est pas de sa faute, qu'il est né comme ça. Voilà. Et il raconte, il dit, Spinoza, Kant ne m'ont pas du tout aidé. Il dit sa détresse intérieure et d'avoir été l'objet de cette humiliation, de cette moquerie. Et quand on connaît un peu Alexandre Jolien, on peut dire que sa vie est toujours sur le fil du rasoir, à la fois d'une immense reconnaissance sociale, mais quand il est avec des personnes inconnues, il se fait sans arrêt moquer de lui. Vous voyez la souffrance de ce garçon, d'ailleurs, qui était parti en Corée, par exemple, pour essayer de trouver des formes de spiritualité qui lui permettraient de mieux assumer ses infirmités physiques. Je reviens donc à mon propos. C'est d'ailleurs Baudelaire qui écrit « Le rire est dans l'homme la conséquence de l'idée de sa supériorité ». Le rire est dans l'homme la conséquence de l'idée de sa supériorité. Il s'agit de rehausser sa valeur personnelle, non par ses œuvres propres, mais par l'abaissement de l'autre, éventuellement en le vouant à la dérision publique pour ne pas laisser dans l'ombre sa défaillance, sa maladresse, ou encore une réussite qui provoque le ressentiment.
Rire d'une situation socialement incongrue est une manière de rappeler l'ordre moral du monde. Il y a des choses qu'on ne fait pas ou qu'on ne dit pas sans s'exposer au ridicule. Par inadvertance, par distraction, par provocation, quelqu'un transgresse les frontières de la civilité, voire même du bon goût. Il n'est pas sanctionné, mais moqué. Le rire qu'on lui oppose souligne sa dérobade hors de la trame commune de sens et ritualise alors l'inconvenance, tout en pourvoyant une prime de plaisir aux témoins de la scène ou de l'histoire racontée. Il leur procure la satisfaction d'être du bon côté du manche. La crainte de la moquerie est une forme de prévention de toute excentricité ou de tout débordement, ou du moins une menace brandie contre qui craint le ridicule. Il est donc le rire au service de ceux que le sociologue américain Howard Baker appelle les entrepreneurs de morale. Ceux qui ne supportent pas d'autres manières de vivre, de penser ou de sentir que les leurs. Les moqueurs usent de la dérision plutôt que de la force physique pour modifier les comportements ou l'apparence désavouée des autres. Ils se confortent à bon compte sur leur exemplarité. Eux, ils n'ont ni les défauts physiques, ni la moralité, ni la religion, ni les traits physiques de ceux dont ils se rient. Ils sont affranchis de toute raillerie. Position de force, surtout d'ailleurs si la victime n'est pas là ou n'est pas en mesure de se défendre. Le rire est une revanche, une vengeance aussi. Il dilue le ressentiment dans l'hilarité. Mais il blesse la dignité, il humilie. Le rire ici donc est un pouvoir sur l'autre. Il exerce une vigilance discrète mais efficace et appelle chacun de ses membres à la souplesse, à la discrétion, au respect des valeurs communes pour ne pas s'exposer aux mêmes railleries. Il est une intimidation et une menace auxquelles nul ne souhaite s'affronter. Il vaut mieux avoir les rieurs de son côté que d'être l'objet visé. Le rire est une manière de faire groupe dans l'exclusion provisoire d'un maladroit ou d'un intrus. Il disqualifie un individu ou une situation, le rabaisse de manière provisoire et en toute confiance dans un contexte amical, ou à l'inverse, de manière brutale, avec une volonté de détruire dans un contexte de mépris ou de ressentiment. La plaisanterie sur un comportement ou sur des étrangers est un avertissement pour ceux qui seraient tentés de les imiter ou de persister dans les mêmes attitudes. Comme le rappelle d'ailleurs encore Baudelaire, l'homme mort avec le rire. L'homme mort avec le rire. Je vous rappelle la phrase cinglante de Victor Hugo dans L'homme qui rit, je le cite, « Faire du mal joyeusement, aucune foule ne résiste à cette contagion. Toutes les exécutions ne se font pas sur des échafauds, et les hommes, dès qu'ils sont réunis, qu'ils soient multitudes ou assemblées, ont toujours au milieu d'eux un bourreau tout près qui est le sarcasme. » Fin de la citation de Victor Hugo. Cet usage social du ridicule comme moyen de contrôle social se retrouve dans d'autres sociétés humaines, où la déviation des attentes communes se traduit moins par une punition ou un blâme que par l'ironie du groupe. L'anthropologue américain Robert Lowy, par exemple, décrit chez les Indiens Crow l'attitude paisible mais extrêmement efficace du groupe à l'encontre de quelqu'un qui vient de se rendre coupable d'une entorse commune. Nul ne s'interpose, mais le soir, lorsque tous sont réunis, quelqu'un exprime le sentiment du groupe. Je cite Robert Lowy. Mais avez-vous donc entendu de ce qu'a fait un tel ? Les rires fusent alors et les actes du fautif sont commentés de manière mordante, mais sans attaque personnelle, de manière détournée, mais extrêmement efficace par ailleurs.
Les Inuits, dans le Grand Nord, les Inuits sont réputés pour leur propension au rire et leur absence de violence. L'une de leurs institutions sociales, révélatrice à ce propos, consiste en un duel par le rire entre deux individus en désaccord. Le village tout entier assiste aux joutes et arbitre les prestations. Les deux hommes s'affrontent en chansons et en gestes de menace, mais sans jamais passer à l'acte. Ils s'accusent mutuellement, ils rompent les codes habituels de civilité à travers leur proximité corporelle, leur mimique agressive, leur plaisanterie, etc., qui visent à faire perdre contenance à leur adversaire. Leurs propos, donc, cherchent à susciter la dérision. Et la communauté encourage la joute par ses rires. Elle est juge du litige. Et il arrive que l'un des adversaires perde la face au cours du duel et quitte le village. Mais la solution, malgré tout, la plus commune est la réconciliation des adversaires, une fois les tensions dissoutes, par les facéties et cette espèce de danse qui a été suscitée par la joute. Toute l'assemblée participe à la même catharsis, en ce que des histoires individuelles ou familiales sont évoquées, mais toujours avec mesure, car si l'un des duellistes va trop loin, il est immédiatement réprouvé par la foule. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur à la fois l'universalité du rire, le rire est le propre de l'homme, disait par exemple Rabelais, mais en même temps, certainement pas les raisons de rire. Je vais vous en donner quelques exemples que vous connaissez d'ailleurs, je pense. À condition d'en partager les codes et les valeurs, l'humour est la célébration du lien social. Il réunit les rieurs autour d'une situation cocasse ou d'une plaisanterie. Un mot d'esprit ou une histoire drôle participent d'une sociabilité valorisée. Ils se transmettent avec délectation, sur un mode quasi cérémoniel, selon les rencontres, comme des choses précieuses, réclamant le partage pour en accroître la jouissance. Le rire est une convention sociale. S'il est souvent lié à la qualité comique d'une situation ou d'une blague, le plus souvent, il est une modalité de rattachement aux autres. L'humour ou les situations comiques sont toujours saisies dans les mailles de l'histoire et d'une culture, ou plutôt dans une trame commune de sens et de valeurs. Les jeux de mots ou les effets comiques d'une langue exigent une bonne connaissance de son usage et de son esprit. Savoir rire dans une langue étrangère est uniquement réservé à ceux qui en sont familiers. En outre, ce qui était risible à un moment ne l'est plus du tout pour les générations suivantes. De nouvelles formes apparaissent, le rire est donc profondément enraciné dans l'histoire. J'ai lu beaucoup de... Pour écrire mon livre, j'ai lu beaucoup de traités qui reprenaient des histoires drôles, par exemple de l'Antiquité, de la Renaissance et autres. Et je vous avoue qu'en les lisant, je me suis tout le temps demandé mais qu'est-ce qui pouvait faire rire les Grecs comme ça? Qu'est-ce qui pouvait faire rire nos ancêtres du Moyen-Âge ou de la Renaissance? On cherche désespérément ce qu'il y a de vraiment risible dans ces histoires. Donc vous voyez, le rire est très très lié à l'histoire. Ce qui nous fait rire aujourd'hui n'aurait pas du tout fait rire il y a 20 ans et ne fera peut-être plus du tout rire dans 20 ans. Donc la lecture des blagues anciennes laisse souvent rêveur sur ce que nos ancêtres y trouvaient de si drôle. Maintes situations comiques ou mots d'esprit évoqués par exemple par Bergson, si vous lisez Bergson, qui prend plein d'exemples d'histoires drôles, pratiquement toujours, on a du mal à trouver ces histoires risibles, même sous la plume d'un très grand auteur comme Bergson. Ceux de l'Antiquité, les recueils d'histoires drôles de l'Antiquité, pointés par des auteurs comme Cicéron, comme Quintilien, ou encore réunis dans le Philogélos, un texte grec, ou plus tard cités dans le traité de Castiglione, un homme de la Renaissance, nous paraissent aujourd'hui bien ternes.
Chaque époque, finalement, engendre un risible différent. Les codes changent, les objets, les cibles coutumières, les zones d'intouchabilité se déplacent, le comique d'un moment se périme bien vite. Et le risible de l'un est parfois l'intolérable de l'autre. La même histoire drôle suscite des réactions bien différentes selon les contextes sociaux ou culturels. Que le rire ne soit pas universel dans les motifs qui le provoquent, s'est illustré notamment de manière tragique dans les manifestations qui ont mené nombre de musulmans dans les rues après la publication en septembre 2005 dans un journal danois de 12 dessins humoristiques autour du prophète et qui visaient surtout à dénoncer par le rire la perversion de l'image du prophète par des intégristes qui ont su réagir avec la violence que l'on sait, entraînant plus d'une centaine de morts à travers le monde, d'innombrables églises incendiées, des destructions d'ambassades de pays européens, etc., etc. Ces dessins furent taxés de blasphème dans des pays où, paradoxalement, la notion de blasphème n'existe pas, hein, dans des pays laïcs où chacun peut s'exprimer sans que la notion de blasphème lui soit opposée. Et un théologien français a écrit d'ailleurs à cet égard « la pire caricature morale de Dieu, la plus irreligieuse, qui vraiment le défigure Dieu, et que rien ne justifie, pas même les pires caricatures picturales de Dieu, est de tuer l'homme qui est à l'image de Dieu. » Mais ça, c'est une riposte chrétienne, évidemment, qui n'a pas de sens pour l'islam radical. Dans nos sociétés, le Christ a été maintes fois caricaturé sans que nul ne s'en offusque. En toute rigueur, les dessins satiriques n'atteignent pas Dieu si on a la conviction de sa puissance et de sa miséricorde. Ils touchent seulement des susceptibilités individuelles et particulièrement les intégrismes qui prétendent protéger Dieu mieux que lui. Les intégristes donc posent un verrou sur le rire. Ils y voient d'emblée une insulte au regard de la gravité nécessaire de la relation au divin selon eux. Et on retrouve cette très vieille polémique que le rire est du côté du diabolique et que rien ne le justifie. Par ailleurs, pour les valeurs occidentales, le meurtre de l'équipe de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, donc plus d'une dizaine de morts, toute l'équipe éditoriale de la revue égorgée et tuée. Par ailleurs, pour les valeurs occidentales, le meurtre de l'équipe de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 relève d'une autre logique. Il ne mise plus sur l'argumentation ou la réplique de l'humour, mais sur le meurtre. Ce jour-là, des tueurs fanatiques entrent dans les locaux de la revue et tuent 11 personnes qui participent à un conseil de rédaction. Puis, ils abattent un policier dans la rue. Dans le volume d'hommages qui va paraître après la tuerie, Luce, un dessinateur humoriste, dessine sur la couverture le prophète tenant une feuille de papier sur laquelle est écrit « Je suis Charlie ». Ce qui était une réplique absolument magnifique. « Je suis Charlie ». Et qui affirme « Tout est pardonné ». Dans le monde entier, après le meurtre de l'équipe de Charlie Hebdo, dans le monde entier, des dessins vont dénoncer l'intolérance sur un mode amer ou critique, offensif ou nuancé, d'innombrables dessins dans ce contexte de souffrance, d'incompréhension devant la violence qui a été opposée à ces hommes et à ces femmes, d'innombrables dessins donc introduisent un humour mélancolique, plus ouvert au sourire qu'au rire, pour affirmer la solidarité avec les membres de l'équipe. Un dessin, par exemple, affirme que Dieu est humour. Dieu est humour. Un autre donne la parole au prophète. « Mais moi, il me faisait rire vos dessins », dit le prophète lui-même. D'autres affirment qu'Allah est assez grand
pour défendre Mahomet tout seul. Ou bien encore, un homme à genoux, portant son crayon comme une arme, écrit « Face à la barbarie, utilisons des armes de dérision massive. » Ce qui est aussi absolument extraordinaire comme réplique. Les rires continuent à défier les tueurs, pas de larmoiement, même si une infinie tristesse imprègne les dessins. Plutôt, à ce moment-là, une réplique du tac au tac, avec humour, pour poursuivre le combat contre les intégrismes. Et puis, une autre figure encore du rire, c'est le rire contre la peur, contre la terreur. Le rire se rencontre aussi quand une situation provoque la peur. Pris par exemple sous un orage puissant, environné d'éclairs, saisi de terreur, Henry Miller encore éclate de rire. Je le cite, il écrit « Quand j'ai peur, je ris, immanquablement. » Et de rire donc là sous la pluie, il a peur des éclairs, il a peur d'être électrocuté, et donc je le reprends. « Quand j'ai peur, je ris immanquablement. » Et donc, de rire. Un de ces rires sauvages à vous cailler le sang, pendant que les filles qui l'accompagnaient, m'entendant, se mettaient à hurler de plus belle. Fin de citation. C'est une séquence évidemment assez étrange, assez amusante. Donc là, vous voyez, le rire libère le trop-plein d'une émotion intolérable. Par contre, une scène beaucoup plus tragique, c'est Arthur Koestler qui la raconte dans un testament espagnol au moment de la guerre civile en Espagne. Arthur Koestler donc raconte les innombrables exécutions perpétrées par les troupes de Franco dans la prison où lui-même, Arthur Koestler, est captif. Une nuit, il entend s'ouvrir la porte d'une cellule proche de la sienne. D'une voix ensommeillée, le détenu demande ce qui se passe et comprend que le gardien est venu le chercher avec un prêtre pour le fusiller. Mais il se met à rire, refusant de croire à une situation aussi impensable. Il dit au prêtre « Mais vous me faites une farce. J'ai tout de suite compris que c'était une farce. » Fin de citation. Mais le gardien lui explique qu'il n'en est rien. Le rire de l'homme s'étrangle. Il est tué quelques minutes plus tard. Un psychanalyste américain raconte qu'il a très souvent observé que des soldats épargnés par l'explosion de bombes à une grande proximité et qui tuent plusieurs de leurs camarades rient à perdre haleine. Là, c'est d'une certaine manière le rire du soulagement. Je suis vivant, c'est incroyable, je suis vivant. Et on rit. Ça nous est tous arrivé d'ailleurs de rire après des accidents, dans des situations qui ont failli être dangereuses, et finalement on a réussi à s'en sortir d'un souffle. Et on rit. Il n'y a rien du tout de comique, c'est la libération de toutes les tensions intérieures. Quand la parole manque, ou que la voix suffoque devant l'indignation ou l'effroi, il reste le cri, ou un rire, dépourvu de toute dimension significative, communicative, tournant dans le vide, pure nervosité, incontrôlable. Destruction du langage articulé face à une situation qui laisse sans voix. L'individu perd pied, il relâche toutes les contraintes de la représentation sociale, il s'effondre, les mains souvent portées sur un visage qu'il perd, en même temps que sa voix et son enracinement dans le monde. Ce rire, qu'on nomme souvent nerveux, ce rire est un abîme sonore, loin du régime habituel de sens porté par la parole. Il n'en est pas moins sens, à un autre niveau, en ce qu'il traduit la peur, la détresse, la surprise, la déception, etc., etc. La situation déborde les mots et le pouvoir et la contenance du langage. Elle met toute parole en échec. Le rire de terreur est du côté du corps
de la tétanisation du sens, quand les repères se brisent et appellent à une antériorité du langage. Ce rire signe l'effondrement du symbolique et la chute de la langue dans le vide, la dislocation de la voix, car il n'y a plus de transmission possible. Les limites du langage sont pulvérisées par l'événement. Le rire est aussi une gomme qui efface l'âpreté des circonstances et procure un second souffle. Lamine, par exemple, est un militaire algérien, l'un des très très rares non-musulmans de l'armée. Il est arrêté un jour, soupçonné d'un complot imaginaire, et enfermé 3 années, au cours desquelles on lui place des électrodes sur les parties génitales, on le frappe à coups de bottes, on l'asperge d'eau glacée, on le soumet à d'innombrables mauvais traitements pour qu'il avoue le nom de ses complices, qu'il n'a évidemment pas. Je cite Lamine qui dit « Un matin où ces hommes préparaient leurs électrodes, je me mis à rire aux éclats. J'ai pris conscience d'une vérité essentielle. Ou bien ils me tuaient, ou bien ils allaient un jour cesser de me torturer. Dans un cas comme dans l'autre, cela ne me faisait plus ni chaud, ni froid. J'étais libre. » Fin de citation. Les tortures sont plus accablantes encore dans les mois qui suivent, mais Lamine se sent désormais invulnérable. Et il sera ensuite relâché quelques années plus tard, faute de preuves. Lors des années de plomb en Algérie, dans les années 90, alors que les intégristes multipliaient les massacres, l'humoriste algérien Fellag est désespéré. Mais il ne renonce pas à l'arme du rire. Je le cite, il dit « Parfois, quelques minutes avant le spectacle, je pleure, seul dans les coulisses. Je pense aux victimes des tueries, à mes amis morts pour leurs idées, à toutes les femmes qui se battent pour leur liberté et aux jeunes chômeurs. Je me murmure en moi-même, je joue pour vous. Je sèche mes larmes et je m'élance sur la scène. Je ris pour ne pas mourir. » Fin de la citation de Fellag. Le rire est le balancier pour traverser l'abîme des circonstances sans sombrer. Il protège contre le désarroi ou la peur. Il est l'ultime élégance du sens pour ne pas céder à la pesanteur de l'événement et maintenir la conscience en éveil. Le sens de l'humour est un détachement tranquille qui érode la virulence possible des événements. Même si tout est perdu, le rire est une échappée hors de l'angoisse, un refus de se voir dicter sa conduite par les événements extérieurs. Il dit l'insignifiance de l'agression pour la victime. En français, par exemple, on dit laissez-moi rire. Laissez-moi rire, ce qui est une manière de dire riez, ça m'est complètement indifférent. Romain Gary rappelle une photo fameuse prise par un soldat allemand, où l'on voit un vieillard juif se faire tirer la barbe par un autre soldat. Je cite Romain Gary. Et qu'est-ce qu'il faisait le juif que l'on tirait par la barbe, tout seul parmi les soldats allemands bon enfant qui riaient? Eh bien, il riait lui aussi. Fin de citation. L'homme, sans doute, est déconcerté ou sidéré. Il rit non de joie, évidemment, mais de surprise face à une rupture si radicale, si impensable des exigences de la civilité. Il retrouve un réflexe d'enfant quand on rêve de tirer la barbe des aînés ou qu'on joue au premier qui rira si on lui tire la barbichette, ce qui est un jeu très commun en France. Il rit aussi du vertige de la dissolution de tous les repères, cet abîme immense qui s'ouvre devant les Juifs en Allemagne à l'époque. Il rit du vertige de la dissolution de tous les repères. Il rit de son désarroi.
mais il affirme aussi aux soldats sa souveraineté. Il affirme aux soldats sa souveraineté, il ne cède absolument pas à la supplication ou à la peur. Il casse le système d'humiliation en y participant à contresens et donc en le subvertissant. Là où les soldats voudraient se moquer d'un homme défait et rempli de honte, ils voient un homme tranquille et hilar. Et puis je vais bientôt terminer par un écrivain suisse que j'aime énormément, c'est Nicolas Bouvier, l'un des plus merveilleux auteurs de récits de voyage de toute l'histoire de la littérature. Et je reprends mon propos. Le rire surgit parfois d'une situation sans issue, qui ébranle nerveusement les acteurs en présence. L'impuissance est totale, aucun terrain d'entente ne se pressent, tous les arguments se heurtent au même refus, le compromis est impossible, aucun moyen de s'accorder, et pourtant, l'un des protagonistes n'accepte pas de partir en perdant tout. Alors il s'accroche. La tension ne cesse de monter et aboutit parfois à un fou rire qui autorise enfin la relâche. Et là, première histoire avec Nicolas Bouvier, c'est dans L'usage du monde, qui est l'un des plus beaux livres de la littérature du XXe siècle, L'usage du monde. Donc Nicolas Bouvier et son ami Thierry Vernet est un peintre. Nicolas Bouvier et Thierry Vernet sont à Téhéran. En Iran, donc dans les années 50. Ils n'ont pas un sou. Ils sont reçus par le directeur d'un institut franco-iranien peu désireux de se mettre au travail. Là, Nicolas Bouvier propose de faire des conférences sur des écrivains français et l'autre propose une exposition de photos de tous ses voyages. Mais l'homme est absolument inflexible. Il est terrassé déjà à la pensée qu'il allait devoir fournir un petit effort qui lui est absolument insupportable. Mais les deux hommes sont complètement désespérés, ils n'ont plus un sou, ils insistent, saisis par le désespoir. Je cite Nicolas Bouvier qui écrit « La chaleur était étouffante. Nous avions l'estomac vide et pantelant de déception. Il fallait absolument trouver une ouverture avant que ce vaudeville ne tourne à la confusion. Les nerfs s'en chargèrent. Comme on nous objectait quelques ampoules cassées dans la salle d'exposition, Thierry partit d'un fou rire ensoleillé que je sentis avec terreur m'emporter moi aussi comme une vague. Voilà le directeur tout démonté et nous des larmes plein les yeux cherchant entre deux étouffements à lui faire entendre par geste que ce n'est pas de lui qu'ils sont en train de se moquer. » Fin de la citation. Heureusement, l'homme ne veut pas perdre la face et il se mêle à leur rire. Et miraculeusement, la situation se dénoue. Quand la secrétaire, effarée, entrebâille à la porte, il lui fit signe d'apporter trois verres, et quand nous eûmes repris nos esprits, tout était devenu différent. Un rayon de soleil éclairait le tapis, Thierry exposerait d'ici 15 jours, je l'introduiserais par une causerie. Fin de citation. Voyez comment le rire a complètement détendu l'atmosphère, a changé le monde d'une certaine manière. Le rire, donc, est un dissolvant des tensions sociales par la liberté de ton qu'il introduit soudain. Et Nicolas Bouvier, encore, explique avoir compris ce jour-là, auprès du directeur de l'Institut, que le rire pouvait le tirer d'embarras, outil précieux pour un grand voyageur comme lui. Alors je le cite, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Il dit « Depuis, j'ai toujours en réserve quelque chose de cocasse à me murmurer quand les affaires tournent mal. » Quand, par exemple, des douaniers penchés sur votre passeport périmé décident de votre sort dans une langue incompréhensible et qu'après quelques interventions mal accueillies, vous osez à peine lever les yeux de vos chaussures. Alors,
Alors, un calembour absurde ou le souvenir de circonstances dont la drôlerie ne s'use pas peuvent suffire à vous rendre l'esprit et même à vous faire rire à pleine voix, seul dans votre coin. Et les uniformes, c'est à leur tour de ne plus comprendre, vous considèrent avec perplexité, s'interrogent du regard, vérifient leurs braguettes et se composent un visage. Les douaniers craquent devant un personnage aussi singulier et imprévisible. Ils craignent de perdre la face et disent aux voyageurs « Va, 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 je ne veux plus te voir. » Voilà. Le rire est ici. Oui, le rire est ici une arme secrète, finalement, contre l'adversité. Voilà. Je vais m'arrêter là pour que nous puissions dialoguer un petit peu ensemble. Merci infiniment de votre écoute. Para preguntas de ustedes. Les pedimos que sus preguntas sean breves y también que las digan de forma despacio para que la traductora pueda hacérselas llegar. Entonces, si vamos viendo sus manos levantadas, por favor. Gracias. Pues increíble, estuvo súper chida la conferencia, únicamente quería decir eso. ¿Ya tradujo súper chida? ¿Cuál es la traducción? Bueno, mi pregunta es muy concreta, o sea, como, ¿por qué se interesó por este tema de sobre la risa? Tengo entendido que todos los temas que investiga, pues, cruzan su historia. Entonces, me pregunto cómo cruza su vida la risa. Gracias. Las razones son relativamente nombreuses. Je crois que la plus importante pour moi, c'est ce que je racontais tout à l'heure dans le cours de mon exposé, le fait que quand j'étais enfant, comme j'étais souvent très très mal dans ma peau, j'étais très tendu, et dans ces situations de tension, donc, le fou rire me prenait de façon inextinguible. Donc j'ai été très très souvent puni pour ça à l'école, beaucoup moins dans une situation de fou rire évidemment devant mes parents ou mes proches, mais dans ces contextes où j'étais confronté à d'autres, j'étais, je crois, aussi extrêmement timide. Voilà. Donc le rire, pour moi, est entré plutôt dans mon histoire comme quelque chose de douloureux, hein, comme une blessure, comme une meurtrissure. Ce qui fait qu'en tant qu'anthropologue, j'ai toujours eu envie de comprendre, et de comprendre aussi pourquoi le rire était tellement important dans la vie sociale. Finalement, nous ne cessons de rire d'une certaine manière. Quand on rencontre des amis, à plein de moments, on rit. Donc je voulais mieux comprendre les raisons, non pas de l'humour. L'analyse de l'humour, c'est le très grand livre de Bergson, justement. Mais Bergson, le livre de Bergson s'appelle Le Rire, mais en fait il parle uniquement du rire, sous cet angle du plaisir, de la joie, de l'humour, etc. Donc comme beaucoup d'autres de mes livres, j'ai voulu réintroduire la part nocturne, en quelque sorte. C'est-à-dire la dimension ambivalente des choses, et notamment là, du rire. Et puis l'autre aspect également, c'est que c'était une manière, de la même façon quand j'ai écrit par exemple une anthropologie de la voix, ce sont des manières de rejoindre, de prolonger l'anthropologie du corps sur des objets un peu inattendus. Il n'y a aucun organe de la voix, par exemple. La voix, c'est le souffle qui passe à travers nos organes. Et en même temps, la voix, c'est quand même fondamentalement le corps. Donc l'énigme de la voix, c'est qu'elle est à la fois dans le corps et hors du corps. Voilà, et donc j'ai voulu comprendre. Le rire, c'est un peu pareil. Le rire, c'est profondément le corps, je l'ai dit tout à l'heure, en reprenant plein d'expressions amusantes, mais il y en a plein, plein d'autres dans la langue française, mais il y en a dans toutes les langues. Le rire, c'est le surgissement du corps. Donc finalement, c'est un sujet royal aussi pour l'anthropologie du corps. Même s'il n'avait pas été vraiment étudié sous cet angle-là, puisque
en sciences sociales, il y a eu quand même très très peu de travaux sur le rire. Et presque à chaque fois, c'est le rire sous l'angle de l'humour et du plaisir d'être ensemble. Donc j'ai voulu réintroduire cette dimension plutôt meurtrissante du rire, le rire dans la violence, dans la détresse, le rire de résistance, etc. Mais sans oublier, bien entendu, que le rire est aussi lié à la plaisanterie, au bonheur d'être ensemble, etc. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, il s'agit de voir le rire au pluriel. Je crois que notre travail d'anthropologue, c'est de rappeler toujours le pluriel des choses. Pluriel des corps, pluriel des visages, pluriel de la douleur, pluriel de la voix, etc. Enfin, pluriel de toutes les dimensions essentielles que peut traiter l'anthropologie du corps, par exemple. Voilà. Voilà les raisons, entre autres. Ah oui, puis quand même une troisième raison qui va vous étonner un peu, c'est que depuis longtemps, je voulais travailler sur le sourire. Là, le sourire, on peut dire que ça n'a quasiment jamais été étudié par les sciences sociales, parce que le sourire est considéré comme un sujet mièvre, ridicule, un peu catholique, hein, un peu naïf. Donc, ça n'a vraiment intéressé absolument aucun sociologue. Et je suis frappé, comme je pense chacun de vous, sur l'importance du sourire dans la vie sociale. Quand quelqu'un nous sourit, on se sent reconnu, on se sent bien. Quand quelqu'un, par exemple, répond à une de nos questions avec un visage fermé, on peut se sentir malheureux pendant des heures. Je pense qu'on a tous fait cette expérience-là. Donc le rire est vraiment très extrêmement important dans la relation sociale. Le sourire, pardon. Le sourire de l'enfant, etc. Bon, voilà. Et donc je voulais commencer à travailler sur le sourire. Évidemment, c'est un sujet extrêmement difficile à aborder sous l'angle des sciences sociales. Ce n'est pas un sujet sur lequel on peut faire un terrain, comme on dit en sociologie. Ce serait complètement débile, naïf, d'aller interviewer 150 personnes pour leur dire à quel moment vous souriez. Personne ne vous répondra. On vous répondra des banalités sur un sujet comme ça. Voilà. Donc, un travail sur le sourire implique le passage par la littérature, fondamentalement. C'est-à-dire d'innombrables écrivains qui ont décrit des situations où le sourire apparaissait sur le visage de l'un des protagonistes. Mais là aussi, des sourires qui peuvent être extrêmement ambivalents. C'est exactement comme le rire. Vous avez des sourires de violence, de morgue, de mépris, et puis des sourires d'amour, de jubilation, de plaisir d'être ensemble, etc. Et donc finalement, en commençant à prendre plein de notes sur le sourire, j'ai commencé en même temps à prendre plein de notes sur le rire. Et puis, comme souvent quand j'écris, à un moment ou un autre, il y a l'un des livres, j'écris souvent deux ou trois livres en même temps d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que j'écris énormément, et puis sans compter les articles. Donc j'écris souvent et sur des domaines complètement différents la plupart du temps. Et à un moment, par contre, je suis pris vraiment. Il y a une nécessité intérieure d'aller au bout plus profondément d'un livre. Et soudain, j'ai été pris par le rire, par la nécessité de mieux comprendre le rire. Et à ce moment-là, j'ai lu énormément de textes sur le rire. Et puis, attentif au rire, ça je vous l'ai dit, je le suis depuis l'enfance, parce que le rire est souvent pour moi une sorte d'énigme. Voilà, et ça a donné donc le rire, et puis mais le manuscrit sur le sourire est terminé, je l'ai donné à mon éditeur Anne-Marie Métellier déjà il y a quelques mois, mais paraîtra dans 6 mois, dans quelques mois, mais voilà, j'ai mené les deux. Et en même temps, avec il y a des liens très étroits entre le sourire et le rire, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment en évoquant la théologie, puisque les théologiens ont toujours été favorables au sourire, évidemment, puisqu'il est censé spiritualiser le visage et donc rapprocher de Dieu, alors que le rire est plutôt une manière de profaner en quelque sorte la création. Et donc très souvent dans nos sociétés, d'ailleurs, le sourire est associé à un rire, c'est-à-dire quelque chose qui est inférieur au rire. Hein, vous voyez, et on retrouve ça absolument en espagnol, en italien, un sonriso, il y a le rire, il y a le riso et il y a le sonriso, c'est en dessous. Et en français, c'est pareil, sous le rire. Alors que ce n'est pas du tout le cas en anglais, par exemple, où vous avez smile, qui s'oppose à l'off. Voilà. Donc ça aussi, c'était très intéressant d'étudier les valeurs extrêmement différentes associées au sourire et au rire,
Et c'était passionnant de travailler en même temps sur les deux sujets, quoi, parce qu'ils se répondaient l'un et l'autre de façon absolument extraordinaire. Comme souvent d'ailleurs quand j'écris plusieurs livres à la fois, en écrivant sur l'un, je vois des passerelles qui m'amènent à l'autre, des idées auxquelles je n'aurais pas songé si j'avais travaillé uniquement sur un seul aspect des choses. Mais là, le fait que je sois vraiment quelqu'un qui se passionne absolument pour tout et qui écrit énormément, fait que souvent je découvre des espèces de portes dérobées, hein, des portes dérobées comme dans les romans de Murakami ou dans les nouvelles de Borges, et puis voilà, ça me donne des pistes merveilleuses qui m'enthousiasment encore davantage et qui m'amènent à continuer à réfléchir encore plus. Voilà. Sí, muchas gracias. Muy increíble, gracias. Quisiera preguntarle su opinión con respecto de la burla, si cree que siempre tiene un impacto negativo socialmente o una connotación negativa. Lo digo desde el sentido del bufón, si es posible también de que sea un detonante la burla para liberar ciertas tensiones. Es mi pregunta. Oui, effectivement, la moquerie n'est pas forcément associée à la violence. Quand on s'amuse, par exemple, de la maladresse d'un enfant, ce qui arrive tous les jours dans toutes les familles du monde, il ne s'agit en aucun cas de faire une violence, ce n'est pas là vraiment une sorte de police du rire. Mais en même temps, l'enfant comprend que s'il a fait rire ses parents, c'est qu'il a commis une incongruité. Donc là, le rire participe profondément de l'éducation de l'enfant, et pendant très très longtemps. Donc là, on est plutôt dans une facette positive, heureuse, aimante même, de la moquerie. C'est pareil, effectivement, du côté des bouffons, comme par exemple au moment du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, les bouffons pouvaient se moquer des princes et leur dire des vérités qui aurait été absolument intolérable si un autre leur avait dit exactement la même chose. Là, vous voyez d'ailleurs que le rire est toujours une question de point de vue. La moquerie du bouffon faisait rire, la moquerie d'un proche du roi aurait peut-être provoqué sa mort, avec exactement les mêmes mots. Mais le bouffon était socialement autorisé à la critique sociale. C'est un peu pareil avec nos humoristes aujourd'hui, aussi dans beaucoup de pays du monde, où les humoristes peuvent se moquer, sauf dans les dictatures, mais où les humoristes peuvent se moquer des présidents, des ministres, des princes, des riches, etc. Voilà. Une manière donc d'introduire une espèce de critique sociale, mais pas par la violence, par cette espèce de douceur de l'humour, mais en même temps qui provoque quand même la réflexion, l'analyse. En ce sens, d'ailleurs, je pense que l'humour est très proche de l'anthropologie. Dans la déconstruction des usages, dans la déconstruction du langage également, c'est une manière de faire l'analyse d'une situation de façon percutante. Un jeu de mots, par exemple, soudain on prend conscience de quelque chose auquel on n'avait jamais songé. Freud, d'ailleurs, a écrit des textes magnifiques sur le sujet. L'humour est une sorte de retour d'un refoulé social qui nous met tout d'un coup devant une vérité que nous n'avions pas perçue d'abord. À lapsus, c'est aussi la même chose. On dit le contraire de ce qu'on voulait dire, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose de très juste dans le lapsus qu'on a commis. Voilà, donc l'humour n'est pas forcément associé, enfin la moquerie n'est pas forcément associée à la police, à la violence, à la répression, etc. En effet, il est aussi un élément de l'éducation, par exemple, et puis aussi donc, une manière de critique sociale, quand il est fait dans les formes, sans blesser, sans humilier l'autre. Il est un rappel à l'ordre aussi, d'ailleurs. Un humoriste peut rappeler à l'ordre l'arrogance d'un président, d'un ministre, etc. Mais il le fait sans porter la main sur lui. Et en même temps, il a derrière lui une foule qui va rire de cette moquerie envers la personne, envers le puissant. Voilà.
Buenas tardes. Bonjour. Ah, no, no veo. Un gusto. Ah, pardon. Okay. Bien, bueno, a mí me interesa mucho saber su punto de vista acerca de la desnaturalización de la violencia desde los centros escolares. ¿Cuál sería el papel de los docentes en el mundo y específicamente en las aulas si es posible desnaturalizar esa percepción y representación que se tiene en el uso de la risa como un elemento violentador y aniquilante del otro? Oui, je pense que l'humour peut être utilisé par les professeurs comme une manière de désamorcer la violence. Souvent, d'ailleurs, l'humour est une manière de désamorcer la violence. On l'a vu, par exemple, dans les années qui ont précédé l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, où la résistance politique utilisait énormément l'humour, en détournant les croix gammées, en caricaturant Hitler, etc. etc. Bon, ça n'a malheureusement pas été très efficace. Mais en tous les cas, c'était une manière de ne pas se laisser humilier, de ne pas se laisser détruire par cette montée d'un populisme qui allait ravager le monde, d'une certaine manière. Donc il y a effectivement des enseignants qui savent retourner les choses. Mais il faut faire preuve aussi d'énormément d'humour, hein, d'énormément de sensibilité. Mais effectivement, on peut se moquer des moqueurs en retournant les choses, et puis finalement en protégeant du coup les enfants qui étaient victimes, qui étaient harcelés par les autres. Là, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais il y en a d'innombrables. Hola. Primero que nada te quería mucho agradecer porque tuvimos tu libro de antropología del cuerpo y modernidad en una clase nosotros que se llama antropología del cuerpo y me estaba preguntando sobre cómo la risa puede ayudarnos a reinventarnos. He estado leyendo hace poco un libro de Huizinga que habla sobre el juego y tiene este tema como del juego en sí, de cómo el juego en sí permite pues posibilitar otras maneras de habitar. Y me pregunto lo mismo con la risa, ¿de qué manera la risa puede ayudarnos a reinventar un tipo de hombre o un tipo de mujer o el género en sí, por ejemplo, o la violencia misma? Oui, d'accord. Bah, le rire dans ce contexte peut être effectivement une forme de réinvention de soi, une manière ludique de se comporter devant le monde. C'est un peu la thèse d'ailleurs de Huizinga dans Homo Ludens, hein, qui rappelle que l'homme est une créature du rire. C'est un peu dans l'esprit de Rabelais, Homo Ridens, ça veut dire l'homme qui rit. Hein, l'homme qui rit. Huizinga, comme d'ailleurs Roger Caillois, que je pense que vous connaissez bien au Mexique, ont été des hommes qui ont énormément valorisé ces manières de rire, ces manières de... Le jeu, hein, c'est le grand livre aussi de Roger Caillois qui s'appelle Le jeu et le sacré. Le rire peut être une manière de sacraliser aussi des moments de la vie, des manières de retrouver le jeu de vivre, ce que j'aime bien appeler le jeu de vivre. Quand on est totalement immergé dans sa vie, avec jubilation, avec bonheur, on est dans le jeu de vivre. Et là, le rire est effectivement très souvent présent. De la même façon qu'il l'est chez les enfants, regardez des enfants petits qui jouent, ils rient absolument sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ils se courent après en riant, ils ont 2 ans, enfin ils ont, oui, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça va durer pendant très très longtemps. Hein, comme si le rire était vraiment une espèce de respiration de l'enfance. Et puis au moment de l'adolescence, ça se casse davantage. Parce qu'il y a chez l'adolescent davantage une position de réflexivité. Ce sentiment que les autres sont en train de vous regarder et de vous juger. Et donc un adolescent qui rit a toujours en tête que les autres sont en train de le regarder. Ce qui n'est absolument pas le cas de l'enfance. Donc l'enfance, je crois, illustre de manière merveilleuse les thèses de Huizinga ou de Caillois sur le fait que vivre est un jeu. Un jeu dont on peut rire, en effet. Mais très vite dans nos vies, malheureusement, on oublie ça. Et donc, au moment où on entre dans l'adolescence, il y a comme un double en nous qui fait qu'on va polisser davantage son rire. Gracias por sus reflexiones muy interesantes sobre la risa.
tuve que viajar y sobre que vivir, sobre todo en muchos países muy distintos, como Asia, como Sudamérica, países árabes, y Europa, y me doy cuenta de que realmente hay una risa que es muy propia de una civilización, y que aunque pues perfectamente dobles sentidos, por ejemplo, no se ríe de la misma manera que, digamos, las personas que pertenecen a esa civilización. Por otra parte, le quería enseñar un libro que he escrito sobre la risa y la sonrisa. Es un libro que ha sido escrito, no ha sido publicado, sino que se ha hecho sobre medida, porque es un libro caro que lleva muchas ilustraciones, y está escrito en español, y es un homenaje también a México y en particular al estado de Veracruz, con sus caritas sonrientes o rientes, porque unas se ríen a carcajadas, y realmente a mí me fascinó. Y pues entonces empecé a escribir y a pedir que me hicieran un dibujo, porque yo no dibujo muy bien, entonces fueron mexicanos que hicieron realmente esos dibujos. Y después tuve que viajar mucho por mi trabajo, y regresando a México, entonces tuve el tiempo de preguntarme, a través del tiempo y del espacio, cuál habían sido las civilizaciones que habían plasmado a través del arte, pinturas, frescos, mosaicos, esculturas, etcétera, arquitectura, la risa y la sonrisa. Entonces ese libro lleva, y me di cuenta de que pues no eran muchas. Es decir, en el arte no son muchas. Y todo está ilustrado con representaciones, ¿no? De la risa y de la sonrisa. Y lleva bueno, perdóneme porque no hablo bien el náhuatl. Huescalitzli, Itzahuescalitzli, que significa risa y sonrisa en náhuatl y no en totonaco, porque no hay diccionario de totonaco, y según las comunidades totonacas, por ejemplo de Puebla o de Veracruz, el vocabulario es distinto. Entonces se escogió risa y sonrisa en lengua náhuatl, y pues, con mucho gusto le puedo hacer ese video. Merci. Gracias. Merci beaucoup. Oui, on peut dire que le rire d'ailleurs est immatériel, c'est ça, c'est ce qui explique pourquoi on a si peu de vestiges du rire, et aussi d'ailleurs dans l'histoire de l'art, l'apparition du rire ou du sourire est extrêmement tardive d'une certaine manière. Alors, dans la tradition chrétienne, on ne rit pas, donc il a fallu le début de la Renaissance pour que pour la première fois des grands peintres italiens dessine même le sourire. C'est plutôt le sourire qui apparaît, parce que le rire va mettre très très longtemps avant d'apparaître. Le rire apparaît plutôt dans la peinture flamande, avec Bruegel, avec Frans Hals, etc. Le sourire déjà lui-même, il a fallu très très longtemps pour qu'il apparaisse dans l'histoire de l'art, dans nos sociétés occidentales. Il apparaît au 12e-13e siècle, pour la première fois, sur des sculptures, avec des vierges notamment, qui sont souriantes. Parfois qui portent le Christ d'ailleurs, et qui sont souriantes. Mais au début, c'est vraiment très 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 peu. Et progressivement, au fil des siècles, et puis ça explose évidemment avec Léonard de Vinci, qui est un prodigieux peintre du sourire, et notamment avec Mona Lisa. Et puis dans les années qui suivent, le sourire, par exemple, va devenir une évidence dans l'histoire de la peinture. Mais il aura fallu très longtemps pour que le sourire apparaisse dans nos sociétés. Le rire, et donc je vous l'ai dit, le Christ rit sans doute, mais en tous les cas, les représentations du rire dans la tradition chrétienne n'existent pas.
Dans la tradition juive, il y a un refus de l'image. Dans la tradition musulmane, il y a aussi, de toute façon, un refus de l'image. Donc, alors qu'à l'inverse, en Orient, regardez ces images du Bouddha, ces merveilleuses images du Bouddha, soit avec un sourire à peine dessiné sur son visage, mais plus loin encore en Asie, vous avez le Bouddha qui rit à gorge déployée. Hein, c'est un Bouddha rieur. Ah, vous l'avez... Voilà. Il y a quand même... Ah, je me souviens d'un très beau texte d'Octavio Paz. Pardonnez-moi, j'ai oublié de citer Octavio Paz. J'aurais dû le faire depuis le début, parce que Octavio Paz est vraiment l'un des écrivains que je trouve majeurs du XXe siècle. Et Octavio Paz a écrit un très beau texte aussi, où il évoque des statues d'une population ancienne du Mexique, dont j'ai perdu le nom. C'est pas une population très connue. Et il explique qu'il y a plein de statues avec des hommes ou des femmes rieurs. Et il explique... Oui ? Ça doit être ça, oui. Bon, je ne vais pas le répéter, mais je vais mal le dire. Mais, et Octavio Paz dit qu'il a une reproduction... Et Octavio Paz dit qu'il en a une reproduction, je crois, dans sa bibliothèque et qu'il la regarde très très souvent. Et d'ailleurs, indépendamment de ça, de l'histoire de l'art ou de l'histoire des civilisations, Octavio Paz a écrit l'un des plus beaux textes sur le rire. Je le cite très très souvent dans mon livre. Je l'ai mis en exergue aussi d'un certain nombre de... Enfin, d'un chapitre au moins. C'est un texte admirable d'un écrivain universel aussi, d'ailleurs. Comme beaucoup d'écrivains mexicains, comme Carlos Fuentes ou d'autres. La última pregunta, breve, por favor, la última. Adelante. Buenas noches. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Se ha dicho de que la risa tiene como componentes muy específicos en un entorno cultural y bueno, si nos vamos al universo escolar, que es el reproductor por excelencia de la cultura, yo quiero preguntar qué podemos hacer ahí, porque si ciertamente hasta hoy, o es muy de este momento, el tema del bullying y del reírse del otro y de ejercer el poder y de violentar con la risa, lo que yo puedo dar testimonio es de que en el aula la risa es un instrumento valiosísimo de didáctica. Es un modo muy lúdico, gozoso de enseñar y de aprender. Y no lo parece ser que ya no está presente. Parece ser que en ese juego de poderes que se dan entre los chicos y de los profesores queriéndose afirmar como líderes de la opinión en el aula, estamos abandonando ese recurso. Le preguntaría a nuestro invitado conferencista, si me permiten omitir el nombre porque llegué tarde y no lo escuché, pero le agradecería que nos diera unas palabras en torno a eso. Porque para mí la experiencia docente riendo con los muchachos fue la cosa más maravillosa que me pudo pasar. Y después de 30 o 40 años los encuentro y nos reímos de los chistes que hacíamos. De manera que además somos un pueblo bastante jocoso. Están los decimeros de Veracruz. Están los albures, está Ibargüengoitia con su magnífico sentido del humor y el gran Rius, que se ría hasta de su abuela. De tal manera que sí, le agradecería a nuestro invitado que nos ilustrara un poco en torno a esto. Creo que se lo agradecerán los jóvenes y quienes eventualmente estén aquí ligados a la educación. Mil gracias. C'est difficile de vous répondre, évidemment. Je pense qu'il y a effectivement un usage pédagogique du rire qui peut être mené.
Je pense d'ailleurs que ce serait bien que les enfants voient très régulièrement les films burlesques américains des années 20, les Charlie Chaplin, les Buster Keaton, les Laurel et Hardy, etc., etc., pour créer déjà de la connivence à l'intérieur de l'école, pour que le maître également, l'instituteur, explique aux enfants quels sont les mécanismes du rire et pourquoi c'est bien de rire ensemble, mais par contre qu'il y a des manières de rire qui sont extrêmement violentes, qui font énormément mal. Donc pour faire une pédagogie du rire, il faut vraiment utiliser le rire comme un outil, évidemment, mais en même temps montrer toujours les ambivalences du rire. Puisque c'est ce que j'ai essayé de montrer, dans le rire, il y a le pire et le meilleur. Et donc il faut essayer de faire en sorte que le meilleur prime toujours sur le pire. Donc on réussisse à désamorcer des situations de violence à travers le rire, pourquoi pas, ça peut arriver dans la vie sociale, dans la vie courante, où un conflit très violent risque de naître entre deux personnes, par exemple dans un café, et un troisième lance une blague, et tout le monde rit, et tout le monde est réconcilié. Donc il y a aussi une très grande puissance de pacification dans le rire, mais aussi une puissance de mort. Dans le rire, il y a l'anticipation du meurtre, d'une certaine manière. Alors à l'école, ce serait bien qu'on apprenne aux enfants effectivement à rire ensemble, mais pas rire de quelqu'un, pas rire contre quelqu'un. Mais c'est vrai que dans mon expérience personnelle, je n'ai aucun souvenir, quand j'étais petit à l'école, d'abord qu'on ait regardé des films comiques, je n'ai aucun souvenir que des instituteurs nous aient parlé du rire. Ça fait partie de ces choses qui coulent d'évidence, quoi, qui sont tellement, tellement banales, tellement évidentes qu'on n'en parle jamais. Alors que pourtant, le rire est au cœur de la sociabilité et au cœur de toutes les violences. Donc peut-être que la lutte contre la violence, ça peut être aussi une manière... Peut-être que lutter contre la violence, c'est lutter contre ces formes de moquerie, de rabaissement de l'autre, qui sont dans tellement de blagues, dans tellement de propos tenus contre des hommes, des femmes, dans les métros, dans les transports publics, dans les cafés ou ailleurs. Voilà. Le meurtre est toujours anticipé par le fait de rire de l'autre. Rire, c'est toujours un peu piétiner l'autre déjà. Puis après, on passe à l'acte. On l'égorge, on le tue. Voilà, c'est donc, je suis d'accord, hein, mais je n'ai pas de recette, évidemment, pour enseigner aux enfants comment... être plus détendu, et puis comment transformer le rire plutôt en un outil de sociabilité qu'en outil de rejet de l'autre, comme c'est malheureusement très souvent le cas aujourd'hui dans nos écoles, dans le monde entier, où le harcèlement a fait irruption depuis une vingtaine d'années. Moi, c'était pas du tout ça quand j'étais petit, et je pense que ceux ou celles d'entre vous qui sont plus anciens dans la salle n'ont pas de souvenir de ça. Dans toute ma scolarité, j'ai grandi dans une ville très populaire, au Mans, petite ville ouvrière de France, mais jamais je n'ai vu un élève se faire harceler, se faire moquer de lui, jamais. Et aujourd'hui, par contre, c'est vraiment un problème majeur partout, en France, comme ailleurs dans le monde, où énormément d'enfants vivent des violences absolument incroyables, pouvant aller jusqu'au suicide, hein, puisqu'il y a certains adolescents notamment qui se suicident parce qu'on ne cesse de se moquer d'eux à cause de leur sexualité, de leur apparence, de leur parce que ce sont des garçons trop doux ou des filles trop fortes ou pour leur corpulence ou leur maigreur, enfin c'est tout ce que je disais tout à l'heure, ou parce que ils ont un frère trisomique ou je sais pas quoi. Voilà. Le rire est l'une des pires violences qui existent aussi. Donc, c'est pour ça que les enseignants devraient l'utiliser plutôt comme une arme secrète, comme je disais tout à l'heure, pour renverser les formes de violence et pour adoucir en quelque sorte le lien social. Mais la tâche est lourde. Si ustedes quieren volver a escuchar la conferencia con detenimiento o compartirla con quienes lo consideren conveniente o utilizarla como material para sus clases si se dedican a la docencia, la conferencia va a estar disponible de forma abierta y gratuita a partir del lunes en el live stream del TEC de Monterrey. Ahí la podrán encontrar. Le agradecemos profundamente a David Lebretón su enorme generosidad.